chez vous, mais ici, il fait vraiment déjà bien chaud. Donc, on va vraiment ressortir les vêtements d'été et on va pouvoir aussi les trafiquer. On a tous un jour craqué pour des robes un peu improbables ou des tenues un peu improbables. Bah, moi, c'est ça. Hein, ce jupon, je l'adore, mais je ne mets pas franchement, j'avoue. Hey, j'ai une idée! Transformer ça en robe, épaules dénudées. Et ça va être très facile. Parce que pour ce faire, c'est juste un petit peu de temps et un petit peu de couture. On va démonter le dernier volant de la jupe. Donc ici. Et on va le remonter simplement en dessous de l'élastique. En laissant la marge ouverte pour les bras. On aura une robe et épaules dénudées. Tu vas voir un peu comment c'est facile, regarde tout de suite. La première phase, bien sûr, on va faire appel à Monsieur Découvite. Et on va découdre notre volant. Première phase terminée, maintenant on va coudre un petit ourlet en haut là sur le volant. Et en bas, bien sûr, on va refaire un petit ourlet. Tout simplement. Par contre, quand on va recoudre ici, on va laisser un espace pour passer un élastique, tout simplement. Enfin, en vrai, tout est tout simple en fait. J'ai donc cousu et laissé bien sûr un passage pour un élastique. Élastique, on fera le tour de ses épaules. Il faut que ce soit un élastique qui soit pas trop dur. Un élastique qui soit agréable à porter. Ensuite, avec deux épingles à nourrice. Bien sûr, pour attacher, pour pas que ça sauve. Et la seconde, je vais le continuer. Voilà. La seconde, on va glisser l'élastique. Voilà. C'est fait. Il reste à, bien sûr, rattacher les deux morceaux d'élastique ensemble. Et aller monter sur mon jupon qui va devenir une robe. C'est joli, non? Reste qu'à le monter sur mon jupon, c'est-à-dire que je vais le prendre ici. Alors on va essayer de trouver toujours un côté. Voilà. Tu choisis un côté. C'est ici, bien sûr, que vont se mettre les bras. Et je vais le positionner comme ceci. C'est-à-dire qu'on va accrocher là. Devant, on va laisser l'espace pour les bras. Monsieur épingle arrive parce qu'on va pouvoir mettre les épingles et coudre sur le devant. Alors on pourrait coudre comme ça ou comme ça, c'est au choix. Bref, tu montes, tu laisses l'espace pour les bras pour être à l'aise. Un petit tour de couture et ma robe sera faite. Allez, on regarde le résultat. Je passe à la machine et je vous montre ça. Que demande le peuple, n'est-ce pas? Alors, on fait donc ce qu'on veut et on se régale à créer soi-même sa mode. Encore une tendance d'une idée.